Écœurée, Mélie Neffnach vomit dans un dîner presque parfait. Si vous avez passé une semaine compliquée, on vous laisse imaginer celle de Mélie Neffnach. La gagnante de Secret Story 3 a fait une apparition très remarquée dans un dîner presque parfait sur W9, de lundi à vendredi dernier. Et ce ne fut pas une partie de plaisir pour elle. Un suf de 100 ans. Les épisodes de l'émission culte ont été tournés à Paris en présence notamment d'Erika Moulay et ont forcément donné lieu à quelques scènes cocasses. En effet, loin de la star de télé-réalité assurait beaucoup moins. Surtout quand un candidat lui a proposé de manger un suf de sang en apéritif. En effet, le thème de la soirée d'Alexandre était axé sur l'émission populaire de TF1, Koh-Lanta. Les invités ont donc été obligés de relever quelques défis culinaires, à contre-cœur. Et sans surprise, n'a pas digéré l'opération. J'ai besoin de le sortir. Malgré les conseils de Erika Moulay, qui lui a répété une dizaine de fois que tout était dans sa tête, Mélie Neffnach n'a pas pu cacher son dégoût. C'est dans mon corps là. J'ai besoin de le sortir. A-t-elle d'abord expliqué tout en buvant de l'eau. Écœurée, elle a finalement quitté le salon en courant, pour aller vomir dans le jardin. Sympa.